Et bonjour, Elage. Bonjour, monsieur. Et voilà, veuillez vous présenter aux téléspectateurs de guinéematin.com. C'est Elage Yaya Camara. Oui. Je suis un professeur d'arabe en même temps. J'étais imam de la mosquée Kinifi Villas, dans la commune de Ratouma. Voilà. Et il y a une décision qui est tombée récemment là. La Ligue islamique vous a carrément radié à vie de ses rangs, en tout cas d'exercer la fonction d'imam en Guinée. D'accord. Oui, expliquez-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, imam? Hélas. Le secrétaire général m'a appelé, le secrétariat général affaires religieuses. On m'a fait une réunion avec le cabinet, avec les 5 communes, Kaloum, Dixine, Ratouma, Matam, Matoutou. Disant, j'ai vu une vidéo, j'ai prononcé là-bas, je ne suis pas dans le troisième mandat, nouvelle constitution. On m'a demandé, et puis le problème de mort là, j'ai parlé ça encore. Oui, les gens qui ont été tués voilà, pendant la manifestation voilà, du FNDC. J'ai parlé ça, j'ai dit bien si, mais comme la publication ne s'est pas faite par moi, quelqu'un a publié, mais je n'ai pas regardé ça d'abord. Ah, c'est une vidéo sur Facebook. Voilà. J'ai dit non. J'ai parlé. Ils ne sont pas dans l'affaire du troisième mandat. Troisième mandat. Oui. Et les nouvelles conditions. On a fait la conférence là-bas avec le contigu Aladji Sekouna Souma. L'autre fois, j'ai parlé. Après, j'ai parlé, c'est Cheikh Amadou Camara, Union de la Basse-Guinée, disant vraiment, cette fois-ci, on ne votera pas pour la nouvelle constitution. Non. Nouvelle constitution. Vraiment, ce n'est pas là. On m'a rapproché de ça. Pourquoi c'est parlé ça? On m'a rapproché de ça. Secrétaire général. Ah, oui. Et encore c'est pour toi. Ok. J'ai dit ça en bon sous-sous. J'ai pas. Ah, elle connaît pas l'islam. On se dit, il dit une faute lourde. Quelle faute lourde? Est-ce qu'elle connaît qu'est-ce qu'une faute lourde? Et peut-être, on se dit, le secrétaire général, mais Inch'Allah, tel que là, il y a une Davila, mais il y a un nas. Dieu a dit ça dans le Saint-Coran. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on se dit, le secrétaire général, mais demain, ce n'est pas le secrétaire général. Ce sera un autre peut-être. Ouais, la vie, c'est comme ça. Ouais. J'ai parlé ça l'autre fois à lui-même. Disant vraiment, j'ai commis une faute lourde. Oui, mais est-ce que avant vous avez reçu des mises en garde où on vous avait averti des avertissements et vous n'aviez pas reçu une autre chose, il n'y avait pas eu d'autres problèmes avant? Non, non, non. Beaucoup de problèmes avec moi, chaque fois. Il semble qu'une fois, c'est Loudalin, chef de l'UFDG, a prié dans votre mosquée et que vous aviez été interpellé pour ça. Est-ce que c'est vrai? Oui. Expliquez-nous. Voilà, depuis 2014, c'est Loudalin, elle a. D'aller à son Voliaga, il a prié là-bas. Un vendredi, c'était le 27 juin. 2014. Je rappelle bien. Après vendredi, samedi, dimanche, lundi, j'ai appris
il y a une décision disant que la DIA est limogée et suspendue jusqu'à un nouvel ordre. Donc vous avez une faute lourde encore. Aha. Faute lourde, ce n'est pas la première fois. Ouais. Chaque fois, si quelque chose comme ça là, chaque fois c'est comme ça. Ouais, à l'époque c'était suspension. Maintenant, voilà. Maintenant vous êtes radié. Radié. Ouais, ouais. 2014, 2015, 2016, on m'a appelé disant est-ce que je peux accepter pour retourner comme imam à Somponiagar. J'ai dit non. Non. Je veux savoir d'abord. Quelle faute lourde oui. Je fais à son fond Yaga. Oui. Ok. Après, il n'y a pas de zut pour ça. On m'a prié à la Ligue communale, disant est-ce qu'il y a une nouvelle mosquée Je suis avec les Guinéens. Ça sont maintenant ceci là-dedans. Okay. Tout le problème donné, ceci là-dedans. Peut-être que je ne peux pas prier les gens, mais c'est